Et salut tout le monde, ici de Ch'ti Player et bienvenue dans le 20e épisode du Let's Play de Ratchet & Clank sur PlayStation 2. Oh, c'est bon, il y a les G-bugs de... Bon, j'ai rien dit. J'avais l'impression qu'il y avait un petit bug au niveau de Mystique, mais apparemment, j'ai rêvé. Enfin, c'est pas grave. Donc, nous sommes de retour sur Quartou après notre première visite où on avait récupéré l'info-robot pour aller sur Calebo 3. Ensuite, nous étions allés sur Calebo 3 pour récupérer l'holo déguiseur dont nous avions besoin pour entrer dans l'usine de robots. Donc maintenant, bah, c'est parti. Oh putain. Heureusement que je dirige ma caméra avant de regarder parce que j'aurais presque failli aller dans le vide comme pour rire. Tiens. Depuis quand il y a un robot qui se balade là? Enfin, c'est bizarre, je m'en souviens pas. Donc, comme l'holo déguiseur, on va quand même en avoir pas mal besoin. Je pense que le crocheteur, on peut s'en passer pour cette planète-ci. Donc on va le mettre. Il est là. Déguisons-nous en robot pas crédible. Ouais, d'accord. D'accord, vous remarquerez que les chiens robots ne se font pas leurrer. Et que lui m'a vu aussi. Ah ouais, si, je me souviens de lui. Ah ouais, si, il était là la dernière fois. C'est pas une... C'est pas un robot qui a popé bizarrement. Non, non, il était bien là la dernière fois. C'est moi qui ai... qui ai juste une mémoire de chiotte, quoi. Putain, mes armes, elles sont du genre... Tiens, brûle dans les flammes de l'enfer. Voilà. Visibombe, c'est parfait tout ça. Donc réactivons notre holo déguiseur. Ah, franchement, c'est chiant de marcher super pas vite comme ça, hein. Y a pas à dire. Alors la porte va s'ouvrir. Là, le robot, cette fois-ci, il est leurré. Donc je lui fais un petit signe de la main. Et il me désactive le champ de force. Merci. Sauf que, bah, pas de bol. J'étais pas un robot. Et oui, comme le disait la... Oh putain, là, ça va être chaud. Alors, mais là, l'idée, c'est de s'accrocher. Là, pendant qu'il est tourné comme ça, faut pas que je saute, sinon il me voit. Pendant qu'il se retourne, je saute. Je mets l'holo déguiseur en marche. Coucou. Voilà, il suffit de... Quand je suis tout prêt, il suffit en fait d'appuyer directement sur le carré plutôt pour la clé et de le massacrer directement. Et ça économise mes munitions en plus. Parce que si le robot me voit et qu'il vient appuyer sur ce bouton, ça fait que... Regardez, là c'est pareil. Là, pendant qu'il regarde dans ma direction, faut pas que je saute. Voilà, pendant qu'il est tourné, je saute. Je mets le déguiseur en marche. L'ennui, c'est que là, il y a un saut à faire, donc je suis obligé d'attendre. Parce que là, je peux pas sauter. C'est un petit peu chiant à faire, mais ça marche très bien. Coucou. Non, je t'empêche de... Oh, putain, il me pousse. Alors je fais quand même gaffe qu'il n'y ait pas un petit deuxième qui traîne parce qu'on sait jamais, je sens bien le troll venir. De toute façon, on est où au niveau de la carte? Alors oui, là vous remarquez les petits endroits en vert bien indiqués qui indiquent l'emplacement des secrets. Mais là l'ennui c'est que là je peux pas y aller. Là, il me faut un objet que j'ai pas. Bon alors continuons. Par contre je mets le long déguiseur avant de m'approcher de la porte. Je suis pas bête, je suis pas bête. Ah bon bah ok, j'aurais cru qu'il y aurait un robot planqué derrière, ça aurait été possible. Par contre là vous voyez il y a des robots qui peuvent me voir donc par sécurité il faut que je mette... Non vous m'avez pas vu, vous m'avez pas vu. Putain mais là ils ont réussi à me voir de là quoi. Aïe. Bon normalement si je me planque là ça devrait se calmer, voilà. Donc on y va. Et dire que je disais qu'il fallait que je mette le déguiseur avant de descendre sur le tapis roulant pour pas qu'il capte. Bah tu parles. Parce que là l'ennui c'est que bah, ça va être chaud quand même de... M'expliquer comment je suis censé faire là. Je suis obligé de me faire voir. Non puis pas sûr.
Je vais mourir. Voilà. J'allais obligatoirement crever et je reviens tout au début. Mais ouais, c'est vraiment génial. Voilà, cette fois-ci, on va éviter de perdre bêtement de la vie. Il est temps d'utiliser l'holo. Ah mais merci, je suis au courant. Là, faut tout refaire en plus. Faut tout recommencer. C'est pour ça que je hais cette phase en fait. Je hais cette phase parce que c'est lent à en crever. Et dès que vous avez le malheur de mourir, et bah vous devez tout vous retaper. Et ça c'est chiant. Voilà, tant qu'il me tourne le dos, j'y vais direct. Ouais, ouais, une super frappe suivie d'une frappe normale, ça le tue quoi. Est-ce que je pourrais prendre le risque de... Ouais, ça va, ça passe large en fait de... Et là je m'en vais le massacrer directement, je me fais pas chier. Je préfère faire comme ça parce que pendant ce temps là ça me... A la limite, vous savez ce que je devrais faire pour éviter de ne pas prendre le risque de mourir. Notre ami le Visibon, j'en ai 4, ça devrait aller. Boum! Et un de moins. Et deux. Et je me fais le troisième. Tiens! Comme ça, pas de problème. Puisqu'il faut se la jouer en mode bâtard, hein, eh ben autant y aller jusqu'au bout. Bien, j'ai l'impression d'entendre un robot qui marche. Peut-être là-haut, hein. Bref, on y va. Je monte là. C'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, ils sont là. Donc maintenant, il suffit de passer comme ça. C'est où là? J'essaye de repérer le... Ouais d'accord. C'est bien la suite. Alors là faut tout simplement aller à gauche comme ça, hein. Alors là, vous voyez il y a les trucs qui tombent là. Évidemment éviter de se les prendre dans la tronche. Ouh, c'est pas passé loin celui-là. Putain, j'ai failli me le prendre, hein, le premier. Ouh, celui-là c'était aussi tout aussi chiadé. Donc voyons ça, je tourne la caméra, oui, il me faut le loader, c'est parti. Tu vas devoir détruire ces robots sentinelles. Empêche-les d'appuyer sur ce bouton d'alarme. Ah mais c'est bon, j'ai déjà expliqué, donc... Allez, ouvre-moi la porte. Alors nous, ils sont trois quand même. Hein. Allez, génocide de robots là. Ça a été le génocide, mais c'est passé. En fait, là, il faut limite faire ça, être limite bourrin, quoi, et ça passe. Alors, il y a un robot, non, il y en a pas. Ah, ouais, il y a deux robots comme ça. On y va. Merde, dis où l'autre. Il y a du choix. C'est quoi tous ces bruits qu'on entend? En même temps, on est dans une usine de robots, donc entendre des bruits de robots, c'est pas bizarre. Ouais, ça c'est bien d'aller faire un petit tour par là. Au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, j'ai plus à me poser de questions pour les... Attendez, c'est moi ou j'ai cassé un truc en haut? Ah d'accord, on peut détruire les... d'accord, Ratchet lance sa clé bizarrement, mais... D'accord, aussi ça c'est sympa. Je sais pas si ça m'avantage un petit... Je sais pas si ça m'avantage à quelque chose de les péter. Hein. Mais on peut toujours le faire pour l'éclate et en plus on est payé. Là par contre ça va faire un peu haut, non? Ouais bah non, pas de problème. Ah non, il en reste un là. J'allais dire je les ai tous faits, non. J'étais trop loin, je sentais bien que j'étais trop loin.
Voilà, destruction. Destruction gratuite. Alors la suite c'est par là, évidemment. Je vais être prévoyant. Eh ben j'ai bien fait de l'être. Coucou mon pote. Par contre, je me suis rendu compte que les caisses d'abord ont déjà été détruites. Pour l'instant, tout se passe bien et on est presque à la fin. Ah, il y a des robots là-bas. J'attends qu'ils se retournent. Là, ça va être chaud là. En plus, de loin, c'est pas évident de voir de quel côté ils sont tournés. Là, on voit, ils sont en train de venir. Retournez-vous. Parce que là, je peux pas mettre le lot déguiseur sur le tapis roulant, sinon. On fait la même, je me remets le lot déguiseur. Là, ils sont en train de revenir. C'est bizarre, j'ai l'impression de. Non, j'avais l'impression en fait que mes pieds touchaient pas tout à fait le sol. Parce qu'il y a encore du monde. Allez, ouais. Bon, attends, je vais me reculer pour pas être. Voilà, ça devrait aller. Voilà, génocide. Tiens, vous vous rendez compte que dans cette deuxième tentative, j'ai pas été touché une seule fois. Je me rends compte juste ça comme ça, quoi. Oh, c'est chaud là. Oh, il y a du monde. Hop, j'ai pas fini avec toi. Aïe. C'est toi qui me tire à travers. La porte était peut-être encore ouverte en fait. Voilà. Bon, j'ai pu m'ennuyer à détruire tous les robots. T'as peut-être 2-3 qui sont emportés, quoi. Putain, il y a une espèce de bug ou quoi? C'est bizarre. À tous les endroits où j'arrive, les caisses sont déjà détruites, quoi. Et le contenu des caisses m'attend tranquillement que je vienne les chercher, quoi. Ah, il y a une caisse là, par contre. Ah, rien, on va faire le tour ici. Regarde. Ah non, là, les caisses, elles sont pas détruites. Ah, si je pouvais avoir mes petits 30 000, ça serait cool aussi. J'y pense. Par contre, comme vous le voyez, on approche de la fin du jeu et je vois franchement pas comment je pourrais avoir les 150 000 boulons pour choper le TELT. Hein. À moins de faire des trucs bien longs et bien chiants. C'est pas trop le but du let's play non plus. D'accord, il y a eu une espèce de léger bug graphique, donc là on va utiliser le. Le super écraseur, ce qui ouvre la porte. Et normalement, je devrais plus rencontrer d'ennemis. J'y viens normalement. Ouais, bon, mon œil. Voilà, maintenant que l'alarme est arrêtée, je peux revenir. Ouais, alors comme d'habitude, l'ennui c'est que là les caisses, je peux pas les détruire. C'est pas grave, je vais les casser après. Coucou! Allez, éloigne-toi du bouton. Boum! Voilà, cette fois-ci, on a atteint la fin. C'est sûr et certain cette fois, et on est à quoi? À 15 minutes! Je m'en doutais que cette partie pleine, je le ferai plutôt vite. Voilà, ça devrait marcher. Ma main? Ah, je te jure. J'ai fait de mon mieux. Je sais. Regarde, c'est peut-être ta sœur, ça. Chers amis Blarg, notre monde artificiel est opérationnel et prêt à vous accueillir. Mais il y a encore une toute petite chose qui nous barre la route. Ce minable petit grumeau de planète. Il a la malchance de se trouver sur l'orbite la plus parfaite de la galaxie.
mais plus pour longtemps. Voici le déplanétiseur, le laser le plus puissant jamais inventé. Bientôt, nous placerons le déplanétiseur juste au-dessus de la surface de la planète. Je me chargerai bien entendu moi-même d'appuyer sur le bouton pour faire voler ce grumeau en éclats. Personne n'échappera au spectacle. À très bientôt. Ratchet, est-ce que ça va? Alors là, ça ne va pas se passer comme ça! Pardon? Bien sûr, j'aurais dû percuter plus tôt. Oh, tu sais, Drake va comprendre qu'il n'aurait jamais dû s'en prendre à ma planète. C'est quoi ce sourire niais? J'ai toujours su que tu cachais ce Ratchet en toi. Ouais, cause toujours. Allez, si on veut réussir, il faut qu'on s'infiltre dans le vaisseau de Drake et qu'on trouve où il cache ce fameux laser. Allez! Je ferai mon possible pour que tu sois fière, maman. Ouais, bah là on est mal barré, hein. La planète Veldin, la planète sur laquelle on avait commencé le let's play, est menacée de destruction par le président Drake. Tout ça parce qu'elle occupe l'orbite que monsieur a choisi pour placer son monde artificiel. Donc là, je cherche un truc parce que le secret il est au-dessus. Normalement, il y a une cible swinger. Elle est où? Ah, voilà. Et c'est parti. Donc, là, rien de bien compliqué. Un petit boulon en or, c'est toujours ça de gagner. Bah, c'est pareil. Si je veux m'amuser à acheter des armes en or avec, c'est chiant. Il faut des milliers, des dizaines de milliers de boulons aussi. Donc, il est temps pour nous de nous barrer de là. Et de nous rendre sur la flotte de Drake. Donc voilà, on descend par là. L'endroit même où Clank avait dévalé la piste, l'endroit même que Clank avait dévalé pour s'enfuir au tout début du jeu. Donc ne traînons pas. Allons-y. Allons-y gaiement. Alors du coup, nous allons donc nous rendre sur la dans la flotte de Drake en orbite de Veldin, j'ai bien. Donc trouver le laser, le déplanétiseur. Et parti. Et nous voici sur place. Donc évidemment, puisqu'on est dans une flotte de vaisseaux, bah forcément la carte c'est du vaisseau à gogo, hein. Alors que c'est pas super super grand. Donc, vous remarquez bien les zones secrètes ici. Donc la première zone à traverser c'est celle-là justement. Donc ne traînons pas. Alors là vous voyez qu'il y a des portes un peu partout, mais elles sont verrouillées. Je vois qu'il y a un téléporteur là-bas. Alors, c'est pour aller dans le croiseur lance-missile. Ouais. Alors, vous voyez qu'il y a deux points d'intérêt à avoir. Je pense que je vais d'abord aller devant, puisque... À mon avis, je pense que en traversant toute cette zone et en allant à ce point d'intérêt-là, ça devrait me renvoyer au départ, si je dis pas de bêtises. Donc, autant le faire direct. Donc, ça se passe sous l'eau. Oui, de l'eau dans un vaisseau, tout est normal. C'est parti, là les anneaux, vous connaissez la chanson. Voilà. Porte ouverte. Et on est parti. Alors vous allez voir qu'il va y avoir un petit truc. Voilà, vous vous souvenez de ça? On l'avait déjà vu sur Quartou. Et c'est parti. Nous avons 1 minute 20 pour traverser la... Traverser la zone, sinon on se fera électrifier sur place. Attention, il y a des mines aussi, il y a ces trucs là, enfin, il y a des obstacles à gogo. Ah, les araignées. Les araignées laser, là, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. Et il faut aussi essayer d'éviter de se prendre des obstacles, là, parce que ça nous ralentit, et forcément, après le timer, ça devient chaud, quoi. Ça va, au moins, les araignées, elles bougent pas. Déjà ça.
Aïe, mais quel idiot! Voilà, parfait. Mais aïe, quel idiot! Attends, on est où là? Parce que là, il faut aller. En fait, là, vous voyez, on va faire un virage vers la gauche. Il faut tout de suite foncer à gauche. Mais putain, arrête! Je suis vraiment con. Ah, mais hé, je perds toute ma vie. Ah, d'accord. Vous savez ce qu'il faut faire? Putain, je vais crever. Non, je veux pas crever. 3. Oh putain. Non, mais hier c'est hors sérieux là. En plus, évidemment, vous pouvez tous se retaper. Bon, en même temps, ils vont pas mettre de checkpoint en plein milieu d'une zone à chrono comme ça. Faut pas trop leur en vouloir non plus. Combien de temps? 22 minutes. Ah, mais hé, putain, mais. Si t'arrêtais un petit peu de faire l'imbécile, ça irait peut-être un peu mieux. Là en bas ça va. Le tout c'est de rester éloigné des mines, comme ça elles vous foncent pas dessus. Oui, parce qu'elles peuvent vous foncer dessus, les mines. J'aime bien le symbole que représenté par ces barrières électriques, le symbole de la dio, enfin non pas de la dioactivité mais de dangerosité. Alors cette fois-ci j'essaie de pas faire l'idiot. J'active les trois anneaux et je vais chercher le secret. Aïe. Bon ça va, là, il en reste encore 10 secondes. Normalement ça devrait être bon. Voilà. Ah, les boulons en or. Voilà, parfait. Par contre, j'ai plus qu'un seul point de vie. Et la question que je me pose, c'est si maintenant je meurs, est-ce qu'ils vont me remettre ici? Bon, là, il y a des consoles, mais ça sert à rien. On peut voir... Là ce qui est marrant c'est que regardez un peu le décor, là c'est la planète En fait il y a un des vaisseaux qui tracte la planète Et normalement il me semblait qu'on pouvait voir Velda de l'autre côté mais... Ouais là 1 minute 20 j'ai largement le temps hein. Là pas de problème ouais si je mettais le l'hydropack ça serait un poil plus malin. Parce que de toute façon là c'est déjà activé. Plus qu'à remonter tranquillement ici. Ah tiens. Super. Un robot décodeur. Bah, c'est justement le truc qu'on avait besoin sur Quartu pour récupérer l'autre secret. Alors, donc, il y a des caisses un peu partout. Donc on va tout casser. Ah là il est trop fermé mais ça sert à quoi? Bon, je vais voir ça. Ah j'ai mes 30 000. L'ennui c'est que je réfléchis mais les 30 000 j'en aurais aussi besoin pour acheter l'ultra nanotech pour augmenter ma barre de vie. Ah ouais. Ah bah oui d'accord tout simplement. Voilà vous voyez revenir à la baie de lancement. On va revenir à l'entrée de... Enfin au départ du vaisseau. Voilà, donc on est revenu au vaisseau. Donc maintenant, je peux prendre le téléporteur et faire... en fait, le téléporteur, ils vont en avoir plusieurs, vont m'emmener successivement dans ce vaisseau, celui-là, ensuite celui-là. Ah, il y aura sûrement celui-là d'abord, et puis on finira sur celui-là. Donc là, comme ça va quand même me prendre du temps. Ce qu'on va faire, c'est comme j'ai récupéré le robot décodeur, bah, je vais retourner sur Quartu. Et du coup, pour le prochain épisode, on reviendra faire... faire la deuxième partie de la flotte de Drake, trouver le laser, enfin voilà.
elle est longue là. La cinématique. Oh, qu'est-ce qu'on aura voyagé dans cet épisode encore une fois. Enfin, en même temps, là, le passage ira assez vite. Vous vous en doutez. Voilà, donc c'est par là. Hop, drone automatique, je me fais pas chier. Boum! Ah, ma vie est pleine. J'ai l'impression que quand on change de planète, ça nous remet notre vie pleine. Au moins que je dis des conneries. Ah, mais là, forcément, là maintenant c'est ouvert. Mais bon, c'est pas par là que je veux aller. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que tous les éléments que j'ai détruits avec le clan géant, bah, ils sont restés détruits. Ça, c'est cool. C'est plutôt un bon point. Eh, vous l'aviez pas vu venir celui-là. Hop. Au moins le Morphorion, ça a l'avantage, comme je l'ai dit, de pas consommer de munitions. Là, bon, ça, on a aussi accès directement à la machine qui nous transforme en club géant. Une fois qu'on aurait envie. Voilà. Regardez-moi les caisses qu'il y a partout. Je vais pas les détruire pour l'instant, je vais prendre le boulon en or. Non, je voulais juste voir ce que la caméra allait faire avec toutes les caisses. Je dirais genre gros plan. Allez, c'est parti, on casse tout. Voilà. Ça en fait des boulons, regardez-moi ça. Là, faudrait que je me rapproche un peu. Bah, je vous, moi qui vous parlais, on a combien? 28. Moi qui vous parlais d'astuces pour choper des boulons à gogo, mais qui est du genre extrêmement chiant, on va dire. Et bah maintenant qu'on a... C'est pas ce que je voulais faire. Maintenant qu'on a Lolo déguiseur, je vais vous montrer des petites choses sympas. Donc pour cela, il faut que je me rende sur Ringar. Ça, au moins, je voudrais vous montrer quelques trucs. C'est quand même pratique en fait ce saut là quand on commence à maîtriser un peu. Bazar. C'est normal que Ratchet ne bouge plus. Alors déjà, on va venir ici, on va prendre le griffeur. Salut Mekai. Donc pour 30 000 au lieu de 40 000 grâce au persuadeur. Voilà, donc évidemment sans ennemis, voilà ce que ça fait. Bon, sans ennemis, c'est pas très impressionnant. Hein. Vous verrez que quand contre des groupes d'ennemis, c'est vachement efficace comme arme. Donc allez, c'est parti. Et ça fait pas mal de dégâts en plus, c'est vachement puissant. Donc, destination Rivgar. Donc, je vous montrer, c'est une sorte de bug en fait. Hein, de bug du jeu que je vais vous montrer. Vite fait, parce qu'on est à 30 minutes. Hein. On est à 30 minutes, donc je vous montre ça rapidement. Et puis on s'arrêtera là-dessus. De toute façon, vous savez déjà qu'au prochain épisode, on fera la suite de la flotte de Drake. Donc vous comprenez qu'on commence à être proche de la fin du jeu. Voilà, donc il faut aller sur la place du circuit. Il suffisait de le demander, hein. Hop, allez. Donc dans un premier temps, je vais avoir besoin d'utiliser la trappe Nigo. Il est où déjà? Ouais, c'est ce truc là. Voilà, donc maintenant vous voyez, comme je vous l'ai déjà dit, on peut, si on veut revenir dans la, retourner dans la course pour défier notre meilleur temps. Sauf qu'en fait il y a un truc tout con, c'est que si je mets Lolo déguiseur, voilà, je suis un robot pas crédible, je m'approche de la chère demoiselle, voilà, on me dit d'entrer dans la course, sauf que
Et voilà. En disant que tu as un Zoomerator, tu peux transformer des figures en turbo. Appuie sur la touche carré pour utiliser le turbo. Voilà, donc en fait, quand on met Lolo déguiseur et qu'on choisit d'entrer dans la course, et ben en fait, ça fait tout bugger et on peut aller sur le circuit à pied. Donc vous vous souvenez un peu, si vous vous souvenez à peu près de la... Vous voyez, tout est bugué. Tout est bugué puisque j'ai même le menu normal quand... C'est ouf. Ah, par contre, je peux pas utiliser la vue à la première personne. Alors normalement, il y avait un endroit pas loin d'ici où il y avait tout plein de caisses en l'air. Ok, d'accord. Donc si on recule de trop de la ligne d'arrivée, le jeu se débug. Ok, c'est sympa. Donc je vais quitter. Je vais refaire le bug. Oh là, la musique bug déjà. Hop, holo déguiseur. Hop. Alors, maintenant je prends la trappe Nigo. Et il faut trouver à quel endroit il faut se mettre en fait. D'accord. Je voudrais bien qu'on m'explique. Normalement il y a un endroit où il y a plein de caisses pour que je le vois, pour que je le trouve pas. Attendez. Je vais faire un tour de circuit pour comprendre parce que là... Je fais quelques figures pour le style. Ah voilà, c'est ça que je cherche. C'est cet endroit que je cherche. Bon alors faut peut-être faire le circuit en marche avant pour que il... Donc je vais quitter. Je refais le bug. Si je suis obligé de prendre le circuit en marche avant, c'est chiant. En plus, j'ai aucun autre moyen d'accélérer que ça. En plus, en pente, ça me ralentit plus qu'autre chose. Il y a une caisse qui vient de se détruire toute seule. Non, mais juste comme ça. D'accord, les caisses explosives sont vides. Ici, il y a des boulons. Alors, je retrouve où c'est. Donc, vous l'avez compris, la trappe Nigo que je vous montre quand même si je le mets. Voilà, vous voyez que ça détruit les caisses à proximité. Donc, en fait, le but c'est de se placer en dessous de la plateforme où il y a tout plein de caisses dessus et utiliser la trappe Nigo pour détruire les caisses d'en haut. Ça fonctionne. Sauf que le truc c'est que, regardez par exemple ici, si je fais. Voilà. D'accord, pourquoi je ne peux pas. Regardez, vous voyez que quand je sors les, voilà, la caméra, hop, les caisses elles reviennent. Et ben l'idée elle est là. C'est comme je vais détruire des caisses qui seront hors champ de la caméra, elles vont en fait respawn en boucle. Ce qui fait que si je reste un moment appuyé sur le bouton, ben ça va me donner des tas de boulons. Attention aux ennemis quand même. D'accord. Ah, en fait il me voit pas. Ouais mais ah j'allais dire il y a des caisses sur la plateforme. Bon par contre c'est chiant parce que vous savez que la première fois qu'on est venu. C'est parti. Voilà, maintenant il suffit de rester là et plus bouger. Peut-être avancer encore un petit poil. Allez, je pense que vous avez compris l'idée maintenant. Et maintenant il suffit de rester là. Alors, évidemment, si vous le voulez, là vous voyez que ça monte, mais si vous voulez le mode chiant, bah vous restez comme ça, appuyez sur le bouton pendant. Putain, le temps que je vous montre le bug, j'ai 6 minutes à arriver à ce que je voulais faire. Donc, si vous voulez faire ça en mode chiant, bah vous pouvez rester comme ça 3-4 heures, et puis bah, vous avez déjà un nombre de boulons assez conséquent, parce que là, regardez, en une minute j'en ai gagné 1000 quoi, de boulons. Ça sert, mais voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qu'il y a de marrant, c'est vraiment que les ennemis me voient pas, quoi.
Ils ne voient même pas, ils ne font rien, la hitbox c'est zéro. Vraiment, je vais dans le bon sens pour que ça marche. Le problème, c'est que les ennemis en venant sur nous, ils ont tendance à nous pousser. Allez, vous voyez, ils me bougent. Ils ne font pas de dégâts, mais ils me déplacent. Allez, soyons fous. Montons-nous à 20 000, on va dire. On va voir combien de temps il faut. Maintenant. Voilà. Donc il m'a fallu 2 minutes 45 pour avoir 1 minute 45 pardon pour avoir 1000 boulons. Donc c'est chaud quand même. Donc évidemment ici maintenant pour Ah d'accord. C'est juste des caisses explosives qui reviennent. Alors évidemment maintenant pour sortir de là, il suffit de mourir. Voilà, ça nous renvoie directement ici en plus. Que demande le peuple? Vous avez vu, c'est sympa, mais si je veux pouvoir vous montrer le TELT avant la fin du let's play, faut que je vous fasse ce que je fais pendant plusieurs heures. Donc vous imaginez 4-5 heures à rester appuyé sur le bouton comme un con. Ça marche, mais c'est extrêmement chiant. Donc on va retourner sur la flotte de Drake. Et puis ben, on s'arrêtera là-dessus comme je l'ai dit parce que là ça a vraiment trop duré putain. Ça y est, on vient de passer les 40 minutes sur l'enregistrement. Oh la vache. Ah j'allais dire mes touches marchaient plus, je me dis putain c'est quoi ce bordel. Donc bref, donc du coup on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Donc prochain épisode nous explorerons tous les différents vaisseaux constituant la flotte. Et nous tenterons de trouver le laser, le fameux déplanétiseur. En bref, donc du coup on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Je vous dis ciao et à la prochaine.